16 Français, mes chers compatriotes. Le 24 avril, vous m'avez renouvelé votre confiance en m'élisant président de la République. Vous l'avez fait sur le fondement d'un projet clair et en me donnant une légitimité claire. Le journal de presque 17h17. Alors, qu'est-ce que le déni de réalité, qui est d'abord un mécanisme défensif contre une réalité insupportable? On commence à craquer, hein? Et on commence par les titres. Oui, un alignement de toutes les planètes du système solaire pourra être observé cette nuit. Et oui, c'est là qu'on voit que l'astronomie, c'est pas la politique. Parce qu'en politique, on n'est pas prêt de voir toutes les entités alignées derrière Jupiter. Pas toutes, mais ce matin, sur notre antenne, Yannick Jadot a dit ne pas exclure que les écologistes participent à un gouvernement de coalition. Mais il est gentil, Yannick, mais France Inter, c'est une radio. S'il cherche du boulot, c'est LinkedIn. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il y aura des brèves? Oui, Charline, je n'exclus pas de faire des brèves de coalition, mais vous semblez pas bien prête à ouvrir les négociations. Oui, on peut ce que vous voulez. De toute façon, on a déjà dit oui pour l'an prochain. Là. Foutez n'importe quoi, mettez une rediff des grosses têtes, on sera en même temps. Je suis bon avec ça, il n'y a pas de souci. Non, non. C'est vrai, c'est pourquoi est-ce qu'on continue à faire une émission, moi, du coup? Je sais pas. C'est un réflexe. Ah, vous êtes sûr qu'on a répondu? On est dans le déni, comme dirait la madame. C'est fou, quand même. Si on a répondu, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on continue à travailler? Oui. Bonjour, à très bien. Ouais, il y a faute grave. Parce qu'on critique beaucoup, mais le code du travail, il y a 2-3 trucs, c'est quand même bien réfléchi. Allez, on continue. Oui, il n'est pas bien épais, mais il y a encore 2-3 lignes dans le code du travail. Il reste un post-it. Yannick Jadot. Ouais, voilà. Il a également précisé, Yannick Jadot, que selon lui, Emmanuel Macron a perdu sa boussole républicaine. Mais c'est n'importe quoi. Déjà, Macron, c'est la start-up nation, il n'y a pas de boussole. Macron, c'est genre qui a un GPS. Et qu'est-ce qu'il lui dit son Tournez GPS? À droite, encore un peu plus à droite. Vous êtes arrivé à destination. Dites bonjour au Rassemblement National. Voilà, il marche très bien ce GPS. On a fait barrage, on a fait barrage. Vous dites ça, mais vous n'avez pas voté, vous. Oui, mais nous. C'est l'esprit de troupe. C'est ça, on est une troupe. Nous, on a encouragé tout le monde à faire barrage. Oui. L'équipe a fait barrage. Et... c'est dire si on est un beau porte-voix. Voilà. Une page santé face à la reprise du Covid en France. Brigitte Bourguignon exclut des mesures contraignantes, du moins pour l'instant. Oui, traduction. Brigitte Bourguignon attend de se faire dégager du gouvernement suite à sa défaite aux législatives pour pouvoir refiler la patate chaude à son successeur, la méthode dite Agnès Buzyn. Une page économie. Oui. La dette publique française est remontée à 114,5% du PIB au premier trimestre 2022. 114,5% du PIB, c'est quand on y pense. C'est fou. Ok, donc vous n'avez absolument rien compris cette information, c'est ça en fait. Je ne me rends pas compte. Ça s'est vu? Non. C'est entendu juste. C'est pas grave. Allez, à peine. Météo France a annoncé que ce mois de juin était le plus frappé par la foudre depuis le début des relevés. Oui, les prix de l'essence ont atteint de tels sommets que même le climat est passé à l'électrique. International à présent, l'Union européenne a accordé officiellement le statut de candidate à l'Ukraine. C'est historique, mais comme le dit si bien François Bayrou, c'est pas tout d'être candidat. Hein, le plus dur, c'est après. Et bien, suite à cette décision de l'Union européenne, les pays des Balkans ont exprimé leur colère. La Macédoine du Nord, par exemple, qui est quand même candidate depuis 17 ans. Eh oui, la Macédoine du Nord, elle attend. Et si elle souhaite bénéficier d'un processus, je dirais, accéléré, il y a une solution. Que le président de Macédoine du Nord insulte Vladimir Poutine en affirmant, par exemple, que sa maman est travailleuse du sexe surtarifée, bien évidemment. Aux États-Unis, la Cour suprême a consacré le droit des Américains à sortir armés de leur domicile sur tout le territoire. Oui, alors ça sert à rien de souffler, Juliette. On n'arrête pas de dire que les USA, c'est les mauvais élèves hein, quand il s'agit d'agir pour sauver la planète. Là, on peut reconnaître qu'il y a une vraie volonté de lutter contre la surpopulation. Alors, hein, quand c'est bien, il faut le dire aussi. Ce n'est pas le cas en France, heureusement. Eh oui, heureusement, parce que si on mettait ça à Paris, aux heures de pointe autour du rond-point des Champs-Élysées, on aurait droit à une cinquantaine de fusillades par jour, tout simplement. Justice, à présent, le procès des attentats du 13 novembre se poursuit et selon son avocat, Salah Abdeslam, l'islam n'est pas quelqu'un de violent. Et voilà. Et Marc Dutroux était un pédiatre incompris, bien évidemment. Et des brèves. Un médecin argentin est devenu père à 83 ans. Entre le père et le fils, je vous dis pas, le budget couche. Et la dernière. Oui. Parce qu'il y en a encore un peu, on vous le met. L'association de défense des animaux, PETA, veut ériger un mémorial pour des cochons morts dans un accident de la circulation. Et on peut dire que c'est les cochons
qui ne sont pas arrivés à bon port. Oh, excellent. C'est travaillé. Et c'est sur cette magnifique blague que j'annonce un spectacle à Bobino mardi. S'il vous plaît. Chanson et rigolade, singing in the rear. Voilà, partant du principe que les humoristes rêvent d'être des chanteurs et que les chanteurs rêvent d'être drôles. Voilà. Voilà, c'est une soirée où les rôles s'inversent, présentée par Alex Vizorek et André Manoukian. Ça va être rigolo. Et il y aura notamment Gauvin Serre, Alex Baupin, Guillaume Meurice, Marie-Paul Bell et plein d'autres artistes. Lola Dubini, Emmanuel Moir et tout le monde fait des échanges et des duos. On va très bien, s'amuser. Bobino, mardi. Rien n'est prêt, mais mardi on sera prêt. D'accord, il y a encore des places alors, oui, ça c'est dire. Pour ça que je vous avais demandé okay, de dire. Ok, d'accord. Les gens veulent faire des apéros, des barbecues, alors il faut quand même leur dire d'aller au spectre. Très bien, merci Alex.